Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Alric et on se retrouve aujourd'hui pour la suite du walkthrough live de quoi Mario? Super Mario Sunshine, wouhou! Mais non putain, c'est Super Mario Star Road. Putain, mais des fois on dirait qu'il est aussi rouillé que ses tuyaux, hein. Allez, pourquoi je suis revenu dans cet endroit? Pour récupérer la fameuse étoile qu'on devait utiliser avec le switch bleu, parce que maintenant vous voyez que le bloc est activé, donc on va pouvoir mettre en lumière, si je peux dire, si je puis dire, c'est mieux, les numéros secrets. Donc comme Pikenim l'avait indiqué, en fait il suffit, oh ça sert, pourquoi je pense ça, ça sert à rien, quoique si, ça va sûrement servir pour passer à travers les grilles sur les extrémités de la salle. Voilà, en fait il suffit de de repérer les lumières et de sauter à l'endroit où il y avait les... Mais qu'est-ce qu'il fout, hein, il faut que je grimpe là-haut aussi, quel con. Là, sur la pente. Ouais, il suffit de repérer les lumières et de sauter tout simplement dedans pour faire apparaître les numéros secrets et activer l'étoile. Voilà, c'est quoi, il reste l'autre côté là-bas. Je sais pas combien il y a de numéro, de n'avoir 5 je pense. La cascade. Allez. Comment j'arrive à passer Là il y en avait une. Voilà. J'arrive à passer à travers. Hein? Attendez, je suis là. Mais c'est quoi? Je peux pas passer à travers ça? Mais c'est bidon. Ok. Je pensais vraiment que... Je vais regarder, on peut passer à travers celle-là, mais pas à travers les autres. Mais c'est logique. Il reste quoi comme lumière? Mais je vois rien du tout. Devine là-haut. Ouais. Mais j'en vois que 4 au moins. Hein. C'est quoi cette connerie encore? Et je suis bien allé sur les 4 4 lumières. Attendez. Peut-être qu'on peut passer à travers la grille de gauche là-bas. À tous les coups, ça m'étonnerait pas. Hein. Voyons voir. Non, même pas, mais... Putain, mais c'est quoi ce bordel? À moins que... Merde alors! Putain, je comptais faire ça en 2 minutes chrono et là ça y est, j'ai pas... Je commence déjà à perdre du temps. C'est pas possible. Oh là, cet ennemi à la con en plus. Merde alors, putain. Ah! Tiens! Que je te revois plus. À moins... Ah! Attendez. Ah! Quel con, peut-être qu'il y a une lumière de l'autre côté de la grille là. Ah là peut-être. Ah il y en a une là, voilà. Ah putain les fourbes. Vous avez foutu la lumière de l'autre côté, d'accord. Bon ça va, j'ai pas perdu trop de temps non plus. Là s'ils nous mettent des pièces on peut peut-être passer. Ah bah non puisque je suis encore... Ok. Ah non mais... Attendez, j'espère que je peux revenir. Je dois avoir un... une casquette ici, voilà, allez vite vers l'étoile, hop, voilà, ok, bon, ça va, j'ai pas perdu non plus trop de temps, on est parti pour le canyon cette fois. Cette fois, je vais pas me planter de tableau. Hein. Je sais que le monde... Le canyon n'est pas là. Non, je déconne. On voit très bien que c'est le monde de la neige, voyons. Ouais, on va retourner dans les égouts. Oula, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est par ici.
Ok. Si je loupe le tuyau, c'est sûr que je suis pas arrivé. Ouais, il est juste en face, mais comme j'ai la flemme d'y aller à pied, autant utiliser une carapace. Bon, c'est bien celui-ci au moins. J'ai un doute maintenant. Non, c'était lui. Hein. Ouais, c'était ça. Ok. Première étoile, l'ascension de la pyramide. Oula. Alors déjà, faudrait que je repère la pyramide. C'est peut-être ce gros tas de je sais pas quoi là-haut. On va suivre le chemin ascendant pour remonter puisqu'il faut... C'est une ascension. Oula, ah, on a une belle vue. Je sais pas si on peut aller jusqu'au palmier là-bas, mais ce serait cool. Alors, voyons voir si c'est difficile ou pas. Hop. Ça me rappelle un peu la pyramide qu'il y avait dans Mario 64. C'est un de mes passages préférés dans le jeu. Oh ouais, j'adorais l'intérieur de la pyramide. Oh putain, encore les trucs fourbes. Eh, c'est les mêmes machines qu'il y avait dans le monde 8, ça. Avec les plantes et les ennemis électriques fourbes à l'intérieur. Alors, oh, c'est assez étrange. Avec des signaux, des hiéroglyphes. C'est pas mal. Alors, je peux monter là-dessus. Ah ! Ah, trop fort. Ok. Oh non. Oh non, pas le soleil. Pas le vilain soleil. Il est où? Bon, il a pas l'air bien méchant non plus. Allez hop. Non, oh, c'était super simple. Hein. Il a rien foutu ce soleil. C'est juste un visage pour nous faire peur ou quoi? Parce que franchement là, il est pas bien agressif. Hein. Alors, oh non. Oh non, bah... le retour de la course. Le coup pas rapide. Alors j'aime bien parce qu'on a le gros coup pas. Et le petit coup pas de merde qui court et qui sert à rien. Je fais un peu pitié celui-là. Alors. Je sais pas du tout quel est l'itinéraire de la course, mais on va essayer de la suivre aussi bien qu'on peut. Je pensais à autre chose, j'ai quasiment pas lu ce qu'elle a dit, donc ah, qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout? Il faut monter, d'accord. Je vais pas te laisser me distancer. Ah, elle va encore prendre un petit chemin, enfin un raccourci. Foiré, là. Allez, saute. Putain, mais fais le doigt. Voilà. Putain. Allez! Elle est où? Je sais même pas si elle est sortie de son machin. Quoi? Non, j'hallucine, mais... Elle est déjà arrivée? Oh. Bah attendez, mais elle est passée par où? D'accord, je crois qu'elle est passée par le... Elle a dû tracer... Et elle a pris le... Ça, hein. Ah mais attends, c'est hallucinant. 31 secondes. Ah putain. Qu'est-ce que c'est que cette course? Peut-être que je prenne un autre chemin alors. Ça fait quoi? Ah, il y a des caisses. Oula. Quoi, c'est des caisses pour pièces de merde? Ok, je m'en fous. Alors du coup, vu que j'ai raté la course, on va essayer de faire une autre étoile. On va d'ailleurs explorer un peu parce que... J'ai pas trop exploré ce monde-ci. Voyons voir ça. Ah, oh non, le PS Yoshi, c'est bon, ouais, j'ai mis ma claque là. Dans le monde 8, tellement saoulé. Tellement choulé.
Je me demande si on peut accéder au palmier qui est tout là-bas. Peut-être qu'il y a un raccourci. Enfin, un passage secret, je veux dire. Vu que dans le niveau du désert, il y avait un passage secret un peu comme ça sur un arbre. Enfin, sur un palmier. Alors déjà, il y a des pièces rouges. Putain, va chercher la pièce rouge, quoi. Mais... comment on voulait monter là-haut? Comme ça, d'accord. Ok. 1, 2, hop. Ah, est-ce que je vais y arriver? La question. Et si je cours direct comme ça? Ah mais si, ça passe en fait. Ah, c'est marrant ça. Qu'on puisse grimper partout. Ok. Alors ça. Hop. Ça donne une pièce bleue. Je sais pas si je prends les pièces. Les 100 pièces maintenant. Sachant que là il y en a déjà pas mal. Non! Putain! Quel con! Le soleil il me fait rien, c'est moi qui tombe tout seul. Ah non, en plus je suis à l'endroit où il y a le cul-de-sac là-bas. Bon, je vais quand même y retourner parce qu'il y avait des pièces. On va essayer de prendre les pièces rouges et les 100 pièces en même temps au moins. C'est le truc le plus long à faire à chaque fois, donc autant s'en débarrasser le plus vite possible. Il y a déjà 42. J'aime bien l'ambiance de ce monde. Toujours aussi, je vais dire apaisant, mais bon, c'est pas non plus. Oh, qu'est-ce qui m'a foutu? Je suis obligé de revenir par là. Putain, qu'est-ce que je fous, sérieux? Je veux remonter sur la terre ferme, mais Mario s'obstine à sauter dans le haut. Ah, là il y a encore 5 pièces. Allez, saute! On y va y voir le truc chiant. Ah non. Non, je veux que tu sautes. Attendez, il n'y a pas un passage sous l'eau. J'étais allé, non, je m'en rappelle même plus. On va voir. Attendez. Je vais quand même faire une sauvegarde rapide au cas où si ça me tue. J'ai peur là. Non, on peut pas y aller. On peut pas aller dans les ténèbres. Allez, Mario. Au début de la vidéo, mon rêve, c'était de faire une vidéo sans fail, où tout se passerait bien. Mais bon, malheureusement, je sais que c'est... ça relève de mon imaginaire. Apparemment je suis pas capable de faire une vidéo sans fail. En même temps, une vidéo sans fail, ce serait une vidéo idéale. Et à ce moment-là, ça s'appellera plus une vidéo, mais une vidéale. Vous n'êtes pas d'accord? C'est nul ce que je viens de dire. Allez, on y est presque. Là, il y a plein de pièces. Ouh! Alors 70, oh putain, là par contre faut pas que je tombe, sinon c'est la mort assurée. Ah, quoique non, c'est l'espèce de sable qui nous empêche de sauter, mais c'est pas mortel ça, hein. Enfin, je préfère pas essayer de retomber, mais... alors, on va prendre déjà celle-là. Ouais. Il y a pas grand-chose en dessous, donc je préfère quand même pas tomber. Non! Putain, il m'a fait peur. Allez, petit Goomba. Ah, par contre... ouais. Je sais pas si je fais bien de revenir jusque-là, parce que... on est bloqué ici, en fait. Putain, en plus, c'est chiant ce passage avec ces... machins, là. Voilà, c'est clair que j'aurais pas assez. Y a pas un passage. Putain. Allez Mario.
Bon, là c'est clair que je peux pas sauter. On va prendre celle qui est là-bas et puis voilà. Hop. Voilà. Allez. Hop. Maintenant la question c'est est-ce que je peux revenir? Oups là. Ouais. Alors là ça devrait le faire, non? Oh là. En évitant de se cogner contre les murs. Ouais, ça passe. C'est quoi cette pancarte d'ailleurs? C'est quoi cette tronche là? Ouais, c'est pour avertir du danger sûrement, mais... c'est un peu moche. La caméra... Ah mais j'ai remis la caméra là qui tue. Ouais, la pièce Yoshi, elle va aller se faire poutre. Ici, on a tout récupéré. J'ai même pas vu à combien de pièces rouges j'étais. Ah, là, il y a encore un ennemi. Tiens! J'adore balancer sa tête. Ouais, sur la pyramide, je pense qu'il y a plein de petites pièces jaunes, il me semble, que j'avais vu. Ou alors il me semble mal, ah non, c'est bon. Là, ici. Ah, une pièce rouge, là. Sixième, bon! Mario qui rebondit sur le cul, c'est beau. Hop. Encore une là-bas. Hop. Il n'y a pas une sur la pente. Ah, il y a des pièces par contre. Je vais y retomber alors. Voilà. Plus que trois pièces. Mais allez. On dirait que c'est fait exprès des fois. Non, je veux pas monter. Allez, fais ton show. Mais putain. Oh, je vous jure des fois Mario. N'empêche mais quand vous y pensez, c'est vraiment un personnage bizarre quand même. Hein. Regardez-moi le. Ouais. C'est moi te regarder, voyons. Salopette bleue. Grosse moustache. Ventre bedonnant. Et icône du jeu vidéo. C'est marrant. Allez, on va voir. Donne-moi les 100 pièces. Voilà. D'ailleurs, il y a une pièce rouge juste au-dessus du pilier, je vois. Alors, je vais faire la petite coupure son. Voilà. Allez, hop. 58. Alors, on va monter. Comme ça, ça devrait le faire. Caméra Mario, merci. Hop. Voilà. Et si... Ah, bah, elle est juste là, la dernière pièce. Bah, il y a une pièce Yoshi. Comment je l'atteins par contre? Oh, c'était beau ça. En fait, il y a plein de pièces dans ce monde. Si je tue tous les ennemis. Ah oui, il y a le palmier. Quand même pour pas voir ça. Hop. Et elle apparaît où l'étoile? C'était où ça? Je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Est-ce qu'il y a 10 pièces? Il y a 10 pièces! Putain, mais on peut se gaver dans ce monde. Hein. Alors. Putain, mais même il faut retrouver l'étoile. La bonne blague. En plus, il me semble que je suis passé à côté. Et je vais battre mon record de pièces. Ah! Bah, si je me fais pas tuer avant. Allez! Alors, ça doit être par là, il me semble, non? Que ce cratère. L'étoile, s'il te plaît, t'es où? Elle est en bas? Non! Ça me ferait chier, en fait, de descendre si elle est en haut. Attendez, on va vraiment vérifier. Il n'y a rien de plus. Ah oui, je sais où elle est, putain. Yahoo! Allez, sors de là. Elle est là. Je crois.
T'es là, hein? Est-ce que t'es là? Oui, t'es là. C'est bien. Ok. Alors du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait 3 étoiles de ce monde. 128 pièces, c'est beau quand même. Il nous reste la course, d'accord. Bon. Je vais réessayer, mais attendez. Putain, le Goomba il va me faire chier, non c'est bon. Le problème c'est que la seule manière de monter c'est vraiment par là-bas. Après ouais, il faut vraiment foncer. Putain mais c'est chaud cette course. Ouais, je resterai encore une fois si j'arrive pas. J'essaierai de chercher vidéo un moyen. Quelque chose. Bon maintenant je sais qu'il faut passer. Ok, okay. Attendez. Oh non! Mais non, c'est quoi ce bordel là? Putain, je veux sortir du monde mais pas revenir au tout début. Ah, fait chier. Hein. Bon. Attendez, je vais y retourner. Complètement foiré le début de la course. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai foutu encore? Et je loupe le tuyau à chaque fois. Ah oui, attendez. Expérience. Je vais essayer de réitérer mon exploit de sauter sur le mur. Apparemment, je m'y prenais comme un pied. Attendez. C'est normalement. Il faut sauter bien avant et orienter le joystick sur le mur. Et pourquoi il se cogne? Ah, là, voilà, là, il a rebondi. Et là, il se cogne. Là, ah ben voilà, ok. Ok, je sais pas ce que... pas très bien compris comment je m'y suis pris, mais... on a une autre vie, on est content. Et ce machin, ça doit sûrement servir à quelque chose. Ce serait étrange que ça ne serve à rien. Quoique bon, c'est juste peut-être pour la déco, hein. Faire genre que... que ça craint dans les égouts. Alors qu'il n'y a que 3 Goombas de merde. Bon, on y retourne. Allez hop, on va essayer de pas se planter. On va orienter la caméra vers là-bas, même si elle va encore se déplacer. Ready go. Allez hop. Putain, Mario, il reste 3 heures à essayer d'écouter. Putain, mais c'est pas possible! Je fonce sur la plante! Non mais c'est pas vrai là. C'est mort déjà hein. Putain, regardez-moi ça. Non mais est-ce qu'on fait une course là, sérieux? Plus lent tu meurs. Mais voilà, mais elle est déjà là-bas. Attendez, qu'est-ce qu'elle fout? Là! Non. Oh non! Putain! Elle fait un détour à la con à la fin pour nous laisser le temps d'arriver. Putain, j'y étais. Oh non, en fait, c'est faisable. Mais ce qui est chiant, c'est que si je quitte le monde, je reviens encore au début. Et du coup, faut que je prenne une autre étoile, mais... je sais pas où elles sont, les autres étoiles, quoi. Attendez, je vais revenir sur la pyramide. Il y a vraiment rien là-haut, à part... il y avait un truc bizarre à la base déjà. Ouais. Ah. Putain, la pièce Yoshi. Trop bien cachée. Ok. Regardez, si je reviens de l'autre côté. Non, la caméra. Merci. Là, il y a une espèce d'entrée bizarre. Il y a une fenêtre, ça peut se péter ou pas ça? J'ai l'impression de voir un truc. Putain, qu'est-ce que je fous? Non, il y a... faut pas, hein. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire là, c'est obligé. Mais... quoi exactement? Peut-être qu'il faut activer l'interrupteur et ça ouvre la porte. En plus de faire apparaître les caisses inutiles. Non, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Quel con.
lui je le tue sinon il va me... Il va me saouler le... Voilà. Alors. Voyons voir. Ah non, ça fait rien. Mais c'est vraiment que pour les caisses. Ou alors c'est un épisode... C'est un autre épisode où le truc de la pyramide sera ouvert. Dans tous les cas, là, je me retrouve bloqué avec cette conne. Elle peut pas me... Elle me dit pas retente ou je sais pas quoi, là. On peut pas réessayer direct. Putain, espèce de conne. Bon, écoutez, je vais faire une petite coupure, on se retrouve... En fait, je vais faire une sauvegarde rapide juste avant le début de la course, ce sera plus simple, je pense. Ah oui, la caméra, ça y est. Ah oui, dès que Mario a le dos tourné, elle en profitait, putain. Ah oui, ça fait du bien. Allez, tout de suite. Allez, on est reparti pour la petite course. Je regardais à peu près le temps, il me reste 4 minutes pour terminer la vidéo, donc ce serait bien si on... Si on pouvait terminer sur une victoire. Putain. Ah, j'ai toujours peur de tomber là. Non, pas le mur. Allez, Mario. Saute. Putain, qu'est-ce qu'il fout? Allez, arrête de te prendre les murs, putain, elle est déjà là-haut. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Vite. Putain. Ah, j'ai gagné. Ouh. Oh, putain. Oh, c'était juste, hein. Il me semble qu'elle était arrivée aussi à 31 secondes quand elle avait gagné. Ça s'est joué à rien. Ok, 60 étoiles. Bon, du coup, j'ai quand même pas dépassé les 4 minutes, là, donc on va regarder. Ah, voilà, ancien trésor dans la pyramide. Ça doit être ça. Le machin, il doit être ouvert. Je suis persuadé que c'est ça. On va aller rejoindre la pyramide. On n'a rien d'autre à foutre. De toute façon, le niveau inférieur, je pense qu'on a tout fait. Il n'y aura rien de plus à récupérer. Oula. Cette ascension est quelque peu agaçante. Voilà. Alors attention. Suspense. Ouais, c'est ouvert. Ok. Est-ce que je vais me faire pousser par un Goomba? Non, ça... Une pente. Youhou! Oh là, encore des Goombas. Putain, mais y a que ça dans ce niveau. Allez, viens par là! Regardez-moi, c'est peureux, et en plus, il m'attaque pendant que... Pendant que je finis mon attaque. Alors... Quoi, ça? C'est ma chaîne pour la vie. Oh, pff, on s'en fout. Hein. J'ai envie de passer du temps pour ça. Tiens, un champ. Il y a quoi en dessous? Il y a des marches. Ok. Ah non! Ah, je pensais pas que c'était du sable mouvant mortel. Ah, quel con. Bon, écoutez. On va s'arrêter là. La prochaine fois, on finira d'explorer l'intérieur de la pyramide, on finira ce monde-ci. Et on fera, je sais pas, je pense pas retourner au 8ème directement après, parce qu'il m'a un peu saoulé dans la 6ème vidéo. Dans la... Putain, 6ème. Dans la 11ème vidéo. Oui, je suis un peu perdu, là, entre toutes ces vidéos. Donc on verra ce qu'on fait. Allez, je vous dis bon week-end à tous, comme d'hab, et on se retrouve dimanche pour la suite. Salut.